Je m'appelle Ulla von Brandenburg, je suis artiste. J'ai commencé mes études à Karlsruhe dans la HFG et j'ai fait des études de scénographie mais aussi de peinture chez Günter Förg. Après Karlsruhe, ça me semble trop petit comme ville et je suis partie à Hambourg. J'aimais beaucoup, beaucoup, mais il y avait quand même un doute. Si je deviens scénographe, ça veut dire que je dois servir à quelqu'un. Et j'ai basculé dans les arts et à l'Académie de Hambourg. À l'époque, c'était aussi super parce qu'il y a par exemple Bernard Blume ou Stanley Brown, des profs vraiment extraordinaires. C'était des profs qui nous ont traités, malgré on était des étudiants, comme artistes ou en tout cas comme poussières. Moi j'aime beaucoup le travail d'artiste parce que tu peux être nourri de tout. Les choses qui sont importantes, c'est le théâtre, c'est des textes, l'histoire, les films aussi beaucoup. Aussi pour ça, je crois que j'habite en France parce que pour moi, le cinéma français c'était déjà avant hyper important. Il y a 15 ans, je suis venue à Paris. J'étais toujours francophile. J'ai fait mon bac en français, par exemple, malgré que j'étais très mauvaise. Des petits, je m'intéressais beaucoup pour le cinéma français. Il y a quand même un amour pour la France depuis longtemps. On est dans le musée Gustave Moreau. En fait, c'est un des lieux que j'ai rencontré quand j'étais à Paris il y a 15 ans. Et depuis, je suis aussi restée à Paris. C'était un des lieux qui m'ont impressionné le plus parce que Gustave Moreau, il montre son travail dans la maison où il a habité, mais on voit aussi les lieux où il a habité. Évidemment, ça fait appel à... Moi, je travaille parce que j'ai une maison et je vis dedans et je travaille. Et c'est aussi la vie et le travail qui se mélangent. Et ici, c'est aussi que... En fait, c'est lui qui a conçu les plupart des choses. Et on voit, en fait, c'est comme un voyage de temps. Quand on rentre dans ce musée, on est... dans une autre époque, on est vraiment à l'époque de Gustave Moreau. Il disait « Je ne crois ni à ce que je touche, ni à ce que je vois. Je ne crois qu'à ce que je ne vois pas et uniquement à ce que je sens. » C'est une énorme rêverie ce qu'il nous présente. On est dans le palais de Tokyo. Dans mon exposition qui s'appelle Le milieu est bleu. Le palais de Tokyo est hyper beau, très très fort, et c'est pour ça que c'est vraiment difficile de s'imposer dans ces espaces et de ne pas être écrasé par cette architecture qui est omniprésente. Et mes premières idées, c'était toutes des choses qui suivaient l'espace. Jusqu'à j'ai eu l'idée qu'il faut faire le contraire, il faut s'opposer à l'espace et proposer des propres espaces. Mon travail, je le compare souvent avec le collage parce qu'il y a plein de choses qui viennent de plein de différents champs. Et c'est ça qui fait un tout. En fait, tout ça, c'est une continuité de mes œuvres. En fait, cette idée du décor. I'm trying that way.